Donc on va du coup passer la parole à Frédéric Fanger, qui lui est spécialiste de l'affirmation de soi, c'est-à-dire comment on peut exprimer ce dont on a besoin sans agresser les autres finalement. Donc c'est une compétence sociale qui n'est pas évidente. Ça tombe bien. Et ça tombe bien, donc Frédéric, on est vraiment très heureux de l'accueillir ici aujourd'hui. Si quelqu'un parle en même temps, c'est plus compliqué, on a du mal à s'entendre. Je vais prendre le truc. Donc, il est psychiatre à Lyon, psychothérapeute, et il travaille depuis des années dans le champ des thérapies cognitives et comportementales. C'est vraiment une des figures en France de cette thérapie. Il a vraiment contribué à la diffuser, à la rendre accessible à travers de nombreux ouvrages, dont un livre qui s'appelle « Oser », et puis le dernier qui s'appelle « Oser le couple à deux ». Et donc, il va essayer de nous faire découvrir ce qu'ont pu montrer les recherches et les pratiques dans ce champ, et puis de nous faire peut-être expérimenter des choses. Voilà, donc merci Frédéric. Merci. Mon dernier livre, en fait, c'est « Je me libère », « Je me libère de ma voix critique intérieure », et vous comprendrez à la fin de la conférence ce que ça signifie. Est-ce que tu peux me dire 10 minutes avant la fin, juste que je me repère? Donc je m'excuse, j'ai un diaporama qui est probablement un petit peu indigeste, un peu gros. En fait, il va y avoir deux parties. Une première partie où je vais vous tracer, mais je vais être très rapide, un historique de l'affirmation de soi. Mais personnellement, je vois aucun inconvénient à envoyer le PDF à Rebecca pour que vous l'ayez ensuite. Donc, on peut peut-être du coup pas du tout obligé de lire les diapos. Et ensuite, j'ai choisi, en accord avec Rebecca, de vous présenter une patiente qui existe en fait, mais qui virtuellement aurait été traitée par ce que j'ai appelé les 5 vagues de l'affirmation de soi. Ceux qui font de la TCC savent peut-être qu'on parle de 3 vagues de la TCC, que le behaviorisme, le cognitivisme est la 3e vague. Et c'est pareil en affirmation de soi, c'est vrai que ça m'intéresse depuis longtemps, et en fait ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. Donc je vais essayer de vous illustrer. Alors évidemment, on va donc lire avec nos jeunes qui sont devant un dialogue, on va jouer le rôle devant vous. Donc ça prend pas mal de temps, donc je vais me permettre d'aller assez vite sur le début en fait. Mais encore une fois, je vous fournirai les diapos. Il faut savoir que l'affirmation de soi, c'est pas du tout un mouvement de thérapie au début, c'est un mouvement social et politique aux États-Unis. Les minorités raciales, portoricaines, les féministes sont vraiment allés trouver les psychologues pour avoir des outils pour se faire entendre. Et puis il y a quand même des gens qui ont essayé d'amener ça dans la psychothérapie, et parmi les tout premiers, c'est Albert Siemens qui parlait des droits, hein, de défendre nos droits. C'est ça la première vague de l'affirmation de soi. D'ailleurs, leur livre commence par la Déclaration des droits de l'homme, tout simplement. La définition qu'ils en donnent, eux, bon, bah, c'est simplement, de défendre ses droits, favoriser l'égalité dans les relations humaines. Vous voyez, c'est très branché sur ces concepts-là, déjà, à l'époque, on est dans les années 70, hein, d'exprimer nos sentiments librement, sans détour, exercer nos droits. Enfin, il faut vous remettre dans le contexte de l'époque, hein, les Noirs prenaient pas le même bus que les Blancs. Hein. Donc, vous voyez un peu, la question des droits, les féministes, bon, les femmes, elles n'avaient aucun droit en 70, donc voilà. Ça part là-dessus. Ensuite, tiens, je voudrais savoir s'il y en a qui savent de qui est cette phrase. Nous sommes tous dominés par le monde dans lequel nous vivons. La question est de savoir si nous voulons être dominés par des accidents, des tyrans ou par nous-mêmes. Grand psychologue Skinner. Hein? Alors, vous allez voir à la fin de la conférence qu'effectivement, finalement, on est notre pire ennemi quand on ne s'affirme pas. Et que c'est une boucle de renforcement, en fait, avec nos propres exigences qui nous empêchent de nous affirmer. Donc au départ, on est bien centré sur les droits et les besoins, et puis comme souvent en science ou en psychologie, donc ça part des États-Unis et ça monte au nord au Québec, et c'est Jean-Marie Boisvert et Madeleine Baudry qui sont les pionniers de l'application de l'affirmation de soi, enfin en langue francophone en tout cas, en thérapie, et qui vont commencer à se dire que c'est intéressant pour des gens qui ne s'expriment pas beaucoup. Voilà. Donc on passe du social-politique à la thérapie progressivement. Et vous voyez, du coup, on reconçoit une définition un peu différente, qui est un espèce d'équilibrisme relationnel, exprimer mes droits, mes besoins, en respectant ceux des autres dans le cadre de l'équilibre relationnel. En gros, le message, c'est je suis aussi important que l'autre, mais l'autre est aussi important que moi, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc effectivement, c'est une affirmation de soi qui n'est pas hard, qui est assez soft, donc on n'est pas du tout dans la violence. On est dans l'équilibre relationnel. Je crois que ce mot relationnel est vraiment le mot qu'il faut que vous reteniez. Dès qu'on parle d'affirmation de soi, on est en rapport avec l'autre. Comme dit Henri David Thoreau, il faut être deux pour dire la vérité, un qui parle et l'autre qui écoute. Voilà.
Il y a un contexte culturel. Je suis très content parce que mes livres viennent d'être traduits en Chine, au Japon et en Corée. Donc l'Asie, visiblement, a envie de s'affirmer. Ce qui m'a beaucoup étonné, les Japonais m'ont demandé une adaptation culturelle. C'est les seuls qui ont voulu changer le texte. Dire non, on va voir un exemple tout à l'heure où on dit non. Dire non chez eux, ça se fait pas de toute façon. Donc si on a le temps de débattre, je vous expliquerai l'exemple d'une de mes premières patientes à qui je voulais prendre des dents, mais il n'en est pas question, docteur. Chez moi, ça se fait pas. C'est très mal élevé. Là, je vais très vite, mais bon, tous ceux qui vont s'intéresser un petit peu à l'affirmation de soi vont voir qu'on décrit trois grands comportements. Un comportement passif, où j'exprime pas mes droits et mes besoins, je suis réservé, renfermé, inhibé. Un comportement agressif, où l'inverse, j'exige mes droits sans obligatoirement tenir compte de l'autre. Et un comportement affirmé, où à la fois, je dis ce que j'ai à dire, je m'exprime, mais je tiens compte de l'autre. Au départ, on parle pas du comportement manipulateur, je vais sûrement pas rentrer là-dedans, parce que sinon, il faut rallonger la conférence de 2 heures. C'est un thème important, mais qui est à mon avis délicat et pas obligatoirement très bien traité dans la tête des gens, ce concept de manipulation. Donc je l'impasse. Et puis, petit à petit, on en est arrivé à définir, en tout cas nous, hein, dans ce qu'on s'en sert, l'affirmation de soi, parce que vous savez, c'est pratiqué aussi dans les écoles de commerce, pratiqué partout, mais nous, en thérapie, on a voulu la définir à travers l'objectif thérapeutique, et donc, en disant aux gens, finalement, c'est osé, c'est pour ça que j'ai plein de mes livres osés, parce que c'est ce qui reflète le mieux le cas de ces gens, alors qu'ils ne sont pas toujours des gens qui souffrent d'anxiété sociale, hein. Il y a un peu une confusion au départ, parce que dans les premiers travaux, on pensait que c'était avant tout un traitement d'anxiété sociale, en fait, c'est toutes les personnes qui n'arrivent pas vraiment à s'exprimer, qui vont utiliser l'affirmation de soi. Alors, j'ai redéfini moi-même les objectifs parce qu'ils étaient, vous l'avez compris, au départ, vu d'où c'est né, le premier objectif de l'affirmation de soi, c'était d'obtenir. Les féministes, les minéraux intérieurs, ce qu'ils voulaient, c'était obtenir gain de cause. Moi, mes patients, c'est pas ça, parce que c'est pas parce que je vais les aider à s'affirmer qu'ils vont obtenir. C'est pas parce qu'ils vont demander des choses qu'ils l'auront. Donc, j'ai mis cette obtenir gain de cause en dernier, et je dis que c'est la cerise sur le gâteau, il compare pas avec ça comme idée. En pratique, quand on s'affirme, on obtient plus. Mais c'est pas ce qu'on va rechercher, ça pose des problèmes éthiques, sinon assez importants. Donc, ce qu'on recherche avec l'affirmation de soi, c'est d'abord de s'exprimer. Donc tous ceux d'entre vous qui savent très bien s'exprimer n'ont pas besoin d'affirmation de soi. Ceux qui ont de la peine à prendre la parole en public, qui ont de la peine à exprimer leurs besoins, qui ont de la peine à envoyer des messages positifs. Vous savez que dans les couples, il faut 6 messages positifs pour 1 message négatif. Écoutez bien, messieurs, mesdames. Prochain reproche que vous faites dans votre couple, vous mettez une pièce de monnaie dans votre poche gauche. La poche gauche, c'est la poche des reproches. Vous en mettez 6 dans votre poche droite. La prochaine fois que vous faites un reproche à votre conjoint, vous en recevez un, votre conjointe, vous videz la pièce gauche, d'accord? Il vous en reste 6 à droite à vider avant d'avoir droit au prochain reproche. Donc ça, c'est un truc, d'ailleurs, en France, il faut bien le répéter, parce qu'on n'est pas les grands spécialistes du message positif. Le deuxième aspect très important, et c'est vraiment fondamental, c'est que autant j'ai le droit de m'exprimer, je vais essayer de m'exprimer, autant je vais tenir compte de l'autre, et donc maintenir de la relation, voilà. Tout l'art de l'affirmation de soi, c'est ça. Vous voyez, par exemple, pour ceux qui connaissent les premières féministes, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Nancy Austin, en France, Benoît de Groulx, Christiane Coulanges, que j'ai rencontrée dans un congrès récemment. J'ai appris une belle fille de la famille Serrand-Schreiber, je ne savais pas. Vous avez Lieberman, qui est quand même un des grands pourvoyeurs des habiletés sociales, alors surtout dans chez les patients atteints de psychose, qui a beaucoup travaillé ça et qui a formé 2 anciens présidents de la Société française de thérapie comportementale, c'est Jean Cotreau, dont j'ai vu la bande qui est venue ici il y a pas longtemps, et Patrick Légeron. Donc vous voyez, petit à petit, on va traverser l'Atlantique, faut du temps, hein. Faut du temps, d'abord le Québec, 79, le livre de Bovin-Bondry. Et puis nous, on arrive tard, on arrive dans les années 2000, avec Patrick Légeron, qui est un des pionniers, Charlie Quingy, bien sûr, qui travaille beaucoup sur l'affirmation de soi, et moi. Voilà, on se rend compte, d'ailleurs, ensemble, on est bien motivés, on fait des tas de congrès, des tas de trucs là-dessus, et on essaye de développer les techniques, qui étaient d'ailleurs très très bien décrites par les Québécois, hein, il suffisait de reprendre ce qu'ils avaient fait. Et ce qui va changer, c'est qu'on va avoir une troisième étape, alors qui m'intéresse beaucoup moi, c'est qu'on va introduire les techniques cognitives dans l'affirmation de soi. On va pas se contenter de faire des habiletés sociales, comme faisait Lieberman,
on va avoir la prétention de ne pas rester au stade de la thérapie comportementale, mais vraiment une thérapie sur les schémas cognitifs de fond, une thérapie de personnalité, une thérapie de fond. Et l'idée, c'est d'utiliser ces méthodes qui sont au fond assez simples à apprendre et assez rapides pour faire des modifications assez profondes. Comme vous le verrez, j'espère, si j'ai le temps. En fait, la plus intéressante des vagues, c'est la dernière. Donc, c'est pour ça que je vais un peu vite, parce que je pense que c'est celle-là qu'il faut que je vous montre. Bon, il n'y a pas eu tant d'études que ça. C'est un peu décevant au niveau de la recherche. On a 3 en double aveugle. Et moi, j'ai fait une étude longitudinale sur 2 ans, 55 ans, suivi sur 2 ans. Donc, suivi pré-groupe, pré-thérapie de groupe et 2 ans après la thérapie de groupe, qui montre d'ailleurs que... Il y a 50 patients qui ont fini l'étude complètement avec la post-cure à 2 ans et qui montrent qu'ils continuent à évoluer. Donc on est vraiment basé sur des techniques d'apprentissage où les résultats s'améliorent quand les gens continuent à appliquer sans plus voir le thérapeute. Avec, j'avais présenté ça à Genève, un congrès de la Fortec, avec une diminution du nombre d'arrêts maladie, de psychotropes et de consultations psychiatriques considérables. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rentabilité économique de ces méthodes. Alors, on va s'intéresser à Camille. Donc Camille, c'est une patiente qui ne sait pas dire non. Et avec l'aimable participation de nos jeunes collègues, on va vous montrer comment elle aurait été traitée à la première vague dans les années 70, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Enfin voilà. Je trouvais que c'était intéressant pour vous faire vivre de l'intérieur. Bon. Par contre, alors c'est un peu rébarbatif parce qu'on va vous lire le texte Jeu de rôle au tableau. Je vous conseille plutôt d'écouter les collègues, de nous écouter parce qu'ils vont, lire le texte. Ça sera un peu plus illustratif pour vous. Et donc Camille a 41 ans, elle est laborantine. Elle consulte pour une difficulté à dire non, qui est vraiment un des grands thèmes d'affirmation de soi. Vous savez, pour préserver votre intimité, votre identité, il y a 2 choses qu'il faut savoir faire. Il faut faire comme ici, là. Il faut fermer la porte, parce que sinon tout le monde rentre. Il faut fermer les fenêtres, sinon la pluie mouille votre moquette. Donc ça, c'est le refus. Le refus, c'est de dire aux gens, là, je suis chez moi, non, je ne suis pas d'accord pour faire ça. C'est moi qui décide. Et la deuxième grande technique pour préserver notre identité, c'est de répondre aux critiques. Parce que ça, on le voit beaucoup actuellement dans les entreprises, des gens qui sont insultés en pleine réunion d'équipe, en public, ils ne peuvent pas garder une espèce de stabilité comme ça. Donc on va leur apprendre à répondre à ça. Bon, le cas de Camille, je vous l'ai pris volontairement plus simple, puisqu'on est dans une conférence pédagogique, et je m'excuse de condenser la thérapie, vous doutez bien que c'est pédagogique comme présentation, mais le contenu est réel, ceci dit, hein. Mais c'est assez ramassé, en fait. Dans la réalité, ça prend un peu plus de temps que ce que je vais vous montrer. Ceci dit, elle va pas bien du tout. Comme Rebecca l'a dit, je suis psychiatre, elle arrive en pleine dépression, on l'a mis aux antidépresseurs, elle a même été hospitalisée, etc. Et après, vous savez, nous, on intervient après pour aller chercher les problèmes de fond qui font que les gens dépriment, et on se rend compte que si elle est en burn-out, bah, c'est parce qu'elle ne sait pas dire non, elle s'est fait envahir de partout. Et donc, on va juste prendre... Alors, on travaille évidemment en thérapie avec elle, pour la connaître, etc. Elle est frustrée, elle est déçue même par elle-même, et on va juste prendre un exemple aujourd'hui sur lequel on va travailler. Alors, comme toujours en affirmation de soi, vous ne commencez pas par les exemples les plus difficiles, c'est-à-dire si on fait noter, je vais trop vite ou pas quand je parle? Vous me dites s'il y a un problème technique, voix, ça va? Rapidité, parce que je suis un peu rapide quand même. Donc, celui que je ralentis, je me fais comme ça, cool. Et en fait, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais ce n'est pas grave. Apprendre à dire non, on ne commence pas par les plus difficiles, c'est ça. On fait noter de 0 à 100 la difficulté. Dire non à son supérieur au travail, ça aurait été sûrement 80-90. Là, on va commencer par dire non à l'invitation d'une amie qui veut qu'elle aille... En fait, elle la voit assez souvent, cette amie. Elle l'aime bien, mais elle trouve quand même que l'amie l'invite beaucoup. Alors, elle y va, parce qu'elle ne sait pas dire non, mais ça commence à la gaver un peu. Puis, il y a des reproches du conjoint qui trouve que... trop souvent. Puis, les enfants s'occupent à la maison aussi, quand même. Donc, elle est embêtée. Voilà. Donc, une amie demande à Camille. Donc, on va voir Camille ici. Un des deux fait le rôle de l'ami. C'est une femme, mais peu importe, tu peux le faire. Ça n'a pas d'importance. Elle est fatiguée. Elle a besoin de s'occuper de son mari et de ses enfants. Et de plus, cette amie la sollicite souvent. Il s'agit pour Camille de ne pas accepter l'invitation. Voilà, c'est ça le but du jeu de rôle. C'est qu'elle doit enfin arriver à dire non à son amie pour une invitation. Et je vais vous montrer comment on aurait pris en charge Camille selon l'époque à laquelle elle aurait été traitée. Donc, en commençant par la première vague, la vague d'Alberti et Mons, sur les habiletés sociales, on aura en fait insisté sur les droits de Camille. On leur a dit, écoutez Camille, vous avez des droits, faut vous défendre, les hommes sont des dominateurs, faut pas se laisser faire. Non, les amis, pardon, là, c'est pas son mari. Non, parce que... Je vais vous révéler le lapsus. Allez, je fais une parenthèse sur le lapsus, il est important. Quand j'ai commencé à faire de l'affirmation de soi, vous vous doutez bien que j'ai été envahi par des femmes dominées dans les couples.
qui venaient là pour s'affirmer exister. D'ailleurs, à ma grande surprise, contrairement à ce que tout le monde redoutait, tu vas faire des divorces, des séparations, pas du tout. Très peu, finalement. Bon, on en reparlera une autre fois, mais là, en l'occurrence, c'est les droits de Camille par rapport à son amie. Vous devez vous faire respecter. On l'aurait peut-être fait un peu travailler sur les habiletés non-verbales, en particulier. Si vous n'arrivez pas à dire non, on propose aux gens de ne pas répondre. Parce que les gens ne savent pas dire non, c'est trop dur de dire non tout de suite. Donc on va leur apprendre à ne pas dire oui. Peut-être, faut que je réfléchisse, faut voir. Bon. Mais dans la première vague, on n'aurait pas fait ça. Alors allez-y. Donc, l'ami, Camille. Alors Camille, vous pouvez peut-être vous mettre debout d'ailleurs, sinon ils vont lire les diapos, sera plus... si ça vous gêne pas. Non. Bon alors Camille, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tu viens dîner avec moi jeudi soir? Merci de ta gentille invitation, c'est important pour moi de tenir compte de mes besoins, ma réponse est non. Voilà, paf, tchac, on fait valoir les droits, première main. Hein, vous n'avez plus vous laisser marcher sur les pieds maintenant, c'est fini. Donc c'était un... Vous voyez, là, le livre d'Albert Ehrenland sur Your Perfect Rights, c'est vraiment ça, quoi. J'ai des droits, puis... C'est presque va te faire voir, c'est quand même un peu agressif au début, l'affirmation de soi. Alors maintenant, on le voit comme ça. À l'époque, il ne le voyait pas comme agressif. Hein. Remettons-nous dans l'époque. Hein. Elle va apprendre Alors, en deuxième, c'est ce qu'on a appelé la deuxième vague, c'est l'affirmation de soi de performance. C'est-à-dire qu'on va apprendre des techniques. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a des techniques pour dire non. Alors là, on a tous les outils de la communication, des théories de la communication. L'affirmation de soi, c'est de la TCC, mais c'est très proche du systémique. Hein. Ça mange bien dans les deux domaines. On va apprendre une technique de refus, et dans la technique de refus, donc on dit de commencer par, on dit de dire non assez vite, et on dit de ne pas justifier. On dit qu'on peut donner des informations, mais pas justifier, parce qu'il y a beaucoup de risques à la justification. Si par exemple, Camille dit « je suis trop fatigué », l'ami peut répondre « tu te reposeras un autre soir, profite de la vie ». Allez-y, faites Camille « j'ai trop de travail ». J'ai trop de travail en ce moment. Et l'ami va répondre. Non, mais Camille, tu te reposeras un autre soir. Il faut profiter, là. Non, c'est en dessous. Justement, tu travailles trop. Mais je trouve que tu travailles vraiment trop en ce moment. Je pense que ça te fera du bien, hein, de te détendre un peu. Hein. Mon mari ne sera pas content. Il faut t'affirmer avec les hommes. Hein, faut pas être trop indépendante d'eux. Et puis, pas trop dépendante. Trop dépendante d'eux. Et tu fais comme moi, regarde. C'est ça. Ça m'apprendra à faire jouer le rôle de l'amie féminine par un mec. Mon pauvre Jean-Baptiste. Il ne faut pas être trop dépendante d'eux. Et puis, de toute façon, montrer qu'on est autonome, ça entretient le désir. Camille. J'ai déjà invité Justine. Ah, mais pas de problème, viens avec elle, moi aussi j'adore Justine. Oui, si vous justifiez, enfin on pourrait continuer comme ça, mais si vous justifiez, vous ouvrez la porte, là du coup à la manipulation, elle le fait peut-être pas exprès de manipuler, mais enfin elle tolère vraiment mal le refus de son ami, l'autre, elle trouve, mais elle vient avec l'autre, etc. Donc du coup vous allez vous retrouver coincé, alors toi ça doit te parler hein, avec les travaux que tu as fait, et... ce que j'aime bien, c'est l'expression des Québécois. Ils parlent de relations possessives ou de relations libératrices. Je trouve que c'est une belle expression parce que c'est ça, l'affirmation de soi. C'est pour ça que je me libère. On va vraiment se libérer dans nos relations avec les autres et on va libérer ceux qui sont en face de nous aussi, voire se dire ce qu'on veut se dire. Par contre, on peut donner une information. Ce soir, j'ai décidé de m'accorder une soirée pour moi. C'est mon souhait, c'est mon désir. Point. On ne justifie pas ça. Retenez ça. Essayez de ne pas trop justifier quand vous dites non. Sinon, les gens vont rebondir sur vos justificatifs. Alors, le refus empathique, on peut introduire un petit peu d'empathie pour adoucir cette première vague qui était quand même trop dure. Ça donne. Bon, alors Camille, tu viens dîner avec moi jeudi soir ? Écoute, je te remercie de ton invitation qui me fait bien plaisir et qui me montre l'intérêt que tu me portes. Voilà l'empathie. Mais je dois te dire que je préférerais la différer. Refus sans justification. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Respect des émotions de l'autre. On commence à parler des émotions de l'autre, voyez. Je vous ai mis entre parenthèses les techniques vous les illustrer. Alors, on complique un peu les choses.
Et là, nous, on va s'en mêler beaucoup, parce que moi, je suis quand même un élève de Cottereau, donc on est quand même très, très cognitiviste. Le comportemental, on a vite vu les limites, même si on l'utilise encore beaucoup, bien sûr, il y a beaucoup d'indications. Et on essaye d'allier les deux. Et puis maintenant, avec la troisième vague, on a les émotions. Hein. Donc on a ce qu'on fait, ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Hein. On tourne toujours autour de ça. Mais c'est vrai que dans les techniques d'affirmation de soi, le cognitif n'était pas très développé. Donc, bah, nous, on a été formés à Beck, donc Beck qui est l'inventeur des thérapies cognitives, avec des maîtres qui nous ont très bien appris à ça, modifier les pensées. Alors, vous allez voir, là, ça va vous paraître peut-être un peu lourd, parce que j'ai vraiment condensé, mais vous allez voir qu'il va y avoir, avant le jeu de rôle, avant de redire non avec l'ami, parce que ça, vous le faites en séance. Hein. On fait en séance avec Camille, on imite l'ami, on imite l'invitation. On va la préparer. Parce qu'on va se dire qu'au fond, ce qui l'empêche de s'affirmer, ce n'est pas uniquement qu'elle ne sait pas dire non, c'est qu'elle a des blocages dans sa tête qui l'empêchent de dire non. Alors vous allez voir qu'avec une technique plutôt, ce qu'on appelle la première vague de la deuxième vague, c'est-à-dire que la première vague, c'est le behavioriste, la deuxième vague, c'est la thérapie cognitive, et dans la deuxième vague, il y a plusieurs vagues. Beck, c'est le pionnier, après il y a eu Jeffrey Jung et la thérapie des schémas, et puis après la troisième vague. Là, on est plutôt sur le début de la deuxième vague. On va avoir un thérapeute maintenant, hein, okay. Donc qui va interviewer Camille sur ses peurs au fond. Et donc en vert entre parenthèses, je vous mets les techniques qu'utilise le thérapeute, techniques cognitives qu'utilise le thérapeute. Donc c'est au milieu de la diapo, hein, qu'est-ce qui vous gêne? Alors, allez-y. Qu'est-ce qui vous gêne dans le fait de dire non à votre amie lorsqu'elle vous invite à dîner jeudi soir? Donc c'est une question ouverte, hein. Les questions ouvertes ça commence par qu'est-ce qui, comment, pourquoi, à la différence d'une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Une question ouverte, la personne va plus vous donner des détails, va plus vous donner d'explications, et la réponse de Camille c'est... J'ai peur de la blesser, elle tolère mal les refus, et puis l'amitié c'est donner aux autres. Il me reste combien de temps? Un quart d'heure. Bon, on va y arriver alors, je pense. Parce que ça, c'est un peu long. Thérapeute, allez-y. Je comprends que vous avez un grand respect des autres et je vous en félicite. Toutes vos pensées sont essentiellement tournées vers l'autre et le respect de l'autre. Mais en affirmation de soi, il y a aussi le respect de soi-même. Quelles pensées pourriez-vous avoir pour respecter vos besoins tout en respectant ceux de votre ami? Juste un petit stop. Vous voyez que le thérapeute commence toujours par le renforcement positif. Il félicite pour ce qu'elle a bien fait. C'est-à-dire quand vous faites du jeu de rôle, même si la personne est très peu performante, vous allez essayer le bon thérapeute, il va repérer ce qui est performant, même s'il y a très peu de choses, il va s'appuyer là-dessus. Là, vous voyez, on a le sous-bassement de la psychopositive déjà à l'époque. On s'appuie sur les compétences des gens pour aller les faire modifier leurs pensées. Camille? Si c'est une vraie amie, elle peut comprendre que je ne suis pas toujours disponible pour elle. Je ne remets pas en cause l'amitié et je lui dis simplement non pour jeudi soir. Je pourrai la voir quand je serai moins fatiguée. Je comprends votre peur de blesser votre amie et de la décevoir, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle sera déçue et blessée si vous lui dites non? Alors, ne lisez pas la suite, parce que là, je fais une erreur technique, je pose deux questions, ce qu'on ne doit jamais faire. C'est pour vous montrer que les thérapeutes sont tous imparfaits, même les spécialistes d'un domaine. C'est très important, parce que les jeunes étudiants psycho, et après, ils arrivent, quand ils démarrent, ils sont paniqués terribles, parce qu'ils ont peur de mal faire. Donc, c'est important de vous dire que ce n'est pas grave de mal faire, à partir du moment où on a la conscience et on peut reprendre les choses. Donc, on passe direct... À Camille, la suite, allez-y. Oui, cela m'est déjà arrivé de lui dire non, mais je n'aime pas cela. Lorsque vous l'avez dit, a-t-elle été blessée? Non, c'est vrai. Vous voyez, Camille, dans son mental, il commence à se passer quelque chose. Elle réalise que l'idée de blesser l'autre quand on dit non, au fond, c'était qu'une pensée, qu'une cognition, une idée qu'elle se faisait. Mais que dans la réalité, quand on l'amène à explorer ce qui s'est passé, quand elle a dit non, les gens ne se sont pas déclarés blessés, en fait. Donc on rapproche en thérapie cognitive la cognition de la réalité, c'est la confrontation à la réalité. Est-ce que vous pensez, quand vous pensez que vous allez blesser l'autre, est-ce que ça va être le cas? Parfois oui, parfois non, mais il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas toujours le cas, sinon elle ne pourra pas dire non. Allez-y, thérapeute. Avez-vous entendu d'autres personnes refuser des invitations? Et dans ces moments-là, avait-il peur de blesser l'autre? Non, c'est vrai. Par exemple, mon mari ne se gêne pas pour dire non aux gens et ils ont bien l'air de comprendre. Et alors, à chaque fois, Camille, elle réfléchit un moment, elle dit, exemple, non, mon mari, lui, il ne se gêne pas pour dire non. Voyez, thérapeute. Est-ce qu'on vous a parfois refusé des choses? Si oui, qui, quand, que vous a-t-on refusé? Oui, c'est vrai. Après tout, on m'a bien dit non à moi, parfois. Je n'en ai pas fait d'histoire. Alors, on s'appuie sur le passé, sur la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, hein? Donc là, on s'appuie sur la confrontation à la réalité présente, confrontation à la réalité du passé. Les gens qui vous expliquent qu'ils sont nuls, qu'ils échouent tout dans leur vie, vous leur faites faire leur biographie.
Bon, vous êtes allé jusqu'à quelle classe en école? Ah, vous êtes allé jusqu'au bac, comment vous avez fait pour passer d'un premier en terminale, etc. Donc, bon, après, c'est Camille qui continue, en fait, tout ce texte-là. C'est important de respecter celui ou celle qui me dit non. Après tout, l'amitié ne veut pas dire qu'on donne tout, tout le temps. Et puis, c'est dans les deux sens, accepter un refus, c'est accepter les besoins de l'autre et les désirs de l'autre. Par ailleurs, c'est peut-être ma croyance. Elle acceptera peut-être volontiers que je ne sois pas disponible pour elle, je dis. C'est peut-être mon schéma qui m'empêche de refuser, comme souvent dans d'autres situations. Donc, vous voyez, on affleure les schémas cognitifs. Dans cette vague-là, on ne travaille pas encore sur les schémas. On est plutôt dans vraiment la technique cognitive classique, le dialogue socratique, hein, avec des questions ouvertes, des techniques de décentration, on met quelqu'un d'autre à sa place, on la met à la place de quelqu'un d'autre, la confrontation à la réalité. Les schémas sont affleurent, bien sûr, lorsque vous faites un bon entretien cognitif, les schémas vont affleurer, mais on décide là de ne pas les travailler, enfin à l'époque on ne savait pas trop bien faire, de toute façon. Et on peut continuer comme ça, vous voyez, longtemps. Par exemple, celle-là, puis après on passera à la vague suivante. Allez-y. C'est bon, alors mime. Camille, tu viens dîner jeudi soir? Écoute, bien que ton invitation m'aurait fait plaisir, je préfère te dire non. Bon, c'est comme tu veux, Camille. J'espère que mon refus ne t'a pas blessé. Non, c'est vrai que j'aurais bien aimé te voir jeudi soir, mais je comprends que tu ne puisses pas venir. Oui, c'est important pour moi. En revanche, je serais très heureuse de passer un moment avec toi. Peut-être plutôt en journée? Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Excuse-moi, mais tu sais, habituellement, je ne dis pas non car j'ai toujours peur de blesser l'autre. Ça, c'est très important, c'est la révélation de soi. J'aurais dû vous le mettre entre parenthèses. Là, elle passe un cap vraiment important. Et je vais même jusqu'à imaginer qu'il pourrait se fâcher lorsque je lui dis non. Es-tu sûr que tu n'es pas blessé par mon refus? Parce que c'est la question du franchissement de la honte, là, qui vient de s'opérer. Parce qu'en fait, on parle d'anxiété sociale, et je pense que Laurent sera d'accord avec moi, c'est surtout la honte sociale dont il faudrait parler. C'est une pathologie qui est tout autant liée à la honte, à l'anxiété. En fait, l'anxiété est avant la situation sociale et la honte est après. Mais là, vous voyez, quand les gens arrivent à faire de la révélation de soi, ils ont vraiment passé un cap. Est-ce que le « excuse-moi » dans cette phrase-là est en trop? Oui, oui, non, mais c'est sûr, mais bon... C'est déjà bien ce qu'elle fait, quoi. Après, si vous voulez, j'ai écrit un bouquin sur le perfectionnisme. Et la naissance de ce livre, c'est quand moi, je me suis retrouvé un thérapeute perfectionniste avec un patient perfectionniste qui avait un schéma d'exigence élevé, qui m'a emmené dans ses exigences élevées. Et en 2007, j'ai écrit « Il faut écrire un livre là-dessus ». J'ai trouvé dans la littérature énormément de choses. Au Canada anglophone, et en particulier le perfectionniste, vous savez, qui fait partie des Big Five, qui quand même au niveau de la personnalité, génère beaucoup d'anxiété sociale, mais des troubles obsessionnels compulsifs. Et là encore, on retrouve les conjugopathies, avec un nombre de séparations incroyables liées aux exigences élevées d'un des deux conjoints. Mais si tu veux, un jour, on fera un truc sur le perfectionnisme, c'est un thème passionnant. Bon. En thérapie, quand une patiente progresse comme ça, on va toujours renforcer le progrès, même si c'est pas parfait. Voilà. Mais vous avez raison sur le fond. Mais moi, je vais faire de l'extinction sur ce qui n'est pas bien fait. Ami, donc vous voyez, c'est ce jeu de rôle qui a lieu après toute cette préparation cognitive. Elle arrive à dire tout ça parce qu'on a fait tout ce travail cognitif avant. Sinon, elle n'aurait pas pu faire ça. L'ami, alors? Mais non, bien sûr, tu as tout à fait le droit de disposer de ta soirée jeudi, je comprends. Dans l'étape précédente, on faisait la restructuration cognitive avant le jeu de rôle, donc comme on vient de le voir, hein, il y a un entretien en structure cognitive, puis on refait le jeu de rôle et on voit la patiente progresser grâce à la modification de ses cognitions. Et après, ce qu'on s'est dit avec mon associé, c'est qu'on allait faire la modification cognitive en jeu de rôle. Alors là, je pense que vous allez être contents, les gens de la psychopositive, parce qu'on s'est rendu compte, évidemment, qu'on a ce qu'on appelait les cognitions chaudes. C'est-à-dire que dans les jeux de rôle, ce qui est très impressionnant, c'est que les gens revivent l'émotion de la scène réelle. Vous leur dites, je me fais engueuler par un patron, vous leur faites jouer, on est dans mon cabinet avec des gens qui ont rien à voir avec leur milieu habituel, ils sont à 160 degrés de cardiaque, ils ont la glotte qui monte, donc on s'est dit, c'est quand même dommage de ne pas profiter de cette émotion à ce moment-là pour faire un travail en thérapie. Donc du coup, on s'est vraiment transformé en metteur en scène, etc. Pour bien... Alors, les mises en scène sont extrêmement méticuleuses pour vraiment se rapprocher. On ne connaissait pas encore la thérapie par réalité virtuelle, mais finalement, on se retrouve un peu dans ce truc-là aussi pour redéclencher les choses le mieux possible.
c'était un peu intuitif, mais maintenant on est bien content de voir ces mouvements de psychopositive et de réalité virtuelle qui finalement vont bien approfondir tout ça. Et donc, on va revivre les émotions d'Ariane Raël et du coup mettre à jour les cognitions dysfonctionnelles qui surviennent au moment où la personne est en situation sociale de refus. Et alors là, ça a été un grand changement. Donc en fait, on va utiliser toutes les cognitions qu'on a mis à jour dysfonctionnelles dans l'entretien de la patiente avant, mais on va les utiliser en jeu de rôle. Donc là, il me faut un acteur de plus. Il me faut l'ami qui invite Camille. Camille elle-même qui fait son propre rôle. Il n'y a qu'à garder les mêmes. Et il me faut la voix critique intérieure que peut-être Rebecca, tu peux jouer. Parce qu'elle a déjà joué le thérapeute. Alors après, elle va rejouer le thérapeute. Hein? Une voix critique intérieure qui va être jouée par un troisième acteur. Donc voici l'exemple du jeu de rôle avec la voix critique intérieure. Allons-y. Donc, ami, Camille, voix critique intérieure et mange pas les commentaires. Veux-tu venir dîner avec moi jeudi soir? C'est-à-dire que... Ah non, mais tu vas tout de même pas lui dire non, non. Tu risques de la blesser. Vous pouvez parler fort, parce que en fait, la voix intérieure, elle vous tyrannise, elle vous crie dans la tête. Et en fait, non, normalement, quand on est en thérapie, la voix intérieure, on la met juste derrière la personne, on lui fait parler dans son crâne comme ça. Vous voyez, hein? Donc essayez de vous approcher, de parler fort derrière elle, allez-y. Alors qu'en fait, elle est en train de discuter avec son amie, donc on va la parasiter. Elle va se retrouver en confusion totale entre l'amie à qui elle doit répondre à l'invitation et sa voix intérieure qui vient lui dire des choses. Donc elle essaye de dire non, mais sa voix intérieure lui dit qu'il ne faut pas qu'elle dise non. Allez, on recommence. Donc ça sort. Regardez-les, hein, regardez-les eux, puisque le diaporama, ça sera plus illustratif. Au pire, vous seriez d'accord pour me mettre debout? Parce qu'à ce moment-là, vous voulez que je la fasse à voix intérieure? Si ça vous gêne, je peux la faire. Bon, allez-y, vous alors. Allons-y. Ami Camille, allez-y. Veux-tu venir dîner avec moi jeudi soir? Non, mais tu vas tout de même pas lui dire non. Tu vas la blesser, Camille. Écoute, ça, c'est ce que tu me fais croire. Ce n'est qu'une croyance. Je vais vérifier si mon ami est blessé. Bon, prends tes risques, hein, je t'aurais prévenu. J'aimerais bien te dire non, mais j'ai peur de te blesser. Est-ce que ce serait le cas? Pas de problème, on peut se voir à un autre moment. Hein. Ouais, elle te dit ça pour te faire plaisir. En fait, tu l'as blessé. Moi, je suis sûr que tu l'as blessé. Qu'est-ce qui te prend de dire non? C'est nouveau, ça? Tu n'en sais rien. Elle n'a pas dit que je ne l'avais pas. Elle n'a pas dit que je l'avais blessé. Après tout, je veux bien la croire, mais puisque tu me mets le doute, je vais revérifier. Ça, c'est super qu'elle revérifie. Ouais. Allez-y. Es-tu sûr? Cela ne te dérange pas trop si nous ne nous voyons pas jeudi soir? Non, je te promets. Bien sûr, je suis déçu de pas te voir. Je comprends tout à fait. Tu as ta vie et puis on peut se voir à un autre moment. Oui, je préférerais plutôt en journée si cela ne te dérange pas. Voilà. Et après, alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, il y a plein de choses intéressantes, mais on la voit qui commence à se détacher, ouais, j'en ai deux, ça sert à rien, à se détacher de ses propres schémas. Alors, en fait, on pousse plus loin que ça maintenant en thérapie avec Bernard, et on fait vraiment, on met à jour les schémas, on fait la thérapie des schémas, la Jung en groupe, Et je crois que c'est assez intéressant. Les gens sont toujours étonnés quand on fait ça en groupe, c'est tellement intime. Et chez moi, ça marche remarquablement bien, à condition évidemment de bien constituer vos groupes, qu'il y ait une certaine identification chez les gens parmi le groupe. Et puis, il me reste encore quelques minutes. Deux. Alors je vais aller vite sur la vague 5, parce que faut à tout prix que je vous la montre, c'est le plus intéressant. Et on introduit les valeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on va écouter Petersen, on commence à entendre parler de Stephen Hayes, etc. Donc, on va introduire les valeurs. Donc, je vais vous le résumer. On introduit le concept de la médaille à deux faces, au niveau de la personnalité, c'est-à-dire une face négative, une face positive. Ce modèle va nous permettre de comprendre nos contradictions. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on parle du perfectionnisme, on peut en parler dans le débat, mais dans le perfectionnisme, il y a une face très positive et une face très négative qui sont collées, qui sont indissociables. C'est pour ça que je parle de médaille à deux faces. La face positive de la médaille et le travail sur les valeurs permet une conscience moins douloureuse de soi, parce que sinon, les gens sont considérés comme des malades, comme des gens qui ont un problème. Les contradictions, ce que je dis là, c'est que tout le monde en a. Ce que je voudrais surtout vous montrer...
c'est ça. Bon, la voix critique intérieure, elle vient de l'enfance, là vous doutez bien qu'elle est en train, elle allait se retourner en disant « Maman ou papa, ça suffit quoi, hein, de me dire que je vais la blesser hein. ». Évidemment, elle va être symbolisée par un personnage de l'enfance. Il y a les règles de vie, mais je vais vous montrer ça sous forme de schéma, ça ira plus vite. Qui est la grille de conceptualisation avant et après thérapie. C'est pas la peine que je vous refasse tous les concepts. Voilà la grille avant, donc vous avez le présent et le passé. Le présent, ce qui se passe, le facteur déclenchant, c'est l'invitation à dîner jeudi par son ami. Ce qu'elle fait, son comportement, c'est qu'elle n'ose pas refuser. Ce qu'elle ressent, c'est de l'anxiété, de la frustration, de la colère envers elle-même. Ce qu'elle se dit à elle-même, donc la cognition dans l'ici et le maintenant, je n'ai pas pu lui dire non, je vais la blesser, je serai égoïste, je ne peux pas la laisser dans l'embarras. Maintenant, on va voir à quoi ça fait référence de se passer. Donc, on va aller chercher les règles de vie. On doit faire plaisir aux autres, souvent apprises dans l'enfance, bien sûr, être là lorsqu'ils ont besoin de nous. Les valeurs, vous voyez, en fait, Camille, elle est altruiste et généreuse. C'est pour ça qu'elle ne dit pas non. Si on ne comprend pas ça, on va lui faire bêtement de l'affirmation de soi en disant qu'il faut dire non. En fait, il faut lui donner la liberté de dire non quand elle veut. Voilà, c'est là qu'on introduit les valeurs. Et la solution, schéma conditionnel positif, si je suis là pour l'autre, alors je serai une bonne personne. Ça, c'est ce qu'elle pense au départ. Ce qu'elle redoute, si je ne suis pas là pour l'autre, je serai égoïste. Donc en fait, son schéma inconditionnel de fond, c'est d'être égoïste. Voilà. Pourquoi elle ne dit pas non? Il y a des éléments biographiques qui ont déclenché le schéma, des parents qui repriment ses premières tentatives d'affirmation de soi, qui la traitent d'égoïste. Son père la traite d'égoïste à plusieurs reprises, et une culture familiale qui est qu'il ne faut pas gêner les autres. Cette même grille, vous voyez, où finalement, c'est génial, on l'a fait avec les gens, ils ont ça, ils ont une conceptualisation en une page de leur problème. On la refait, bien sûr, après la thérapie, l'invitation à dîner est la même. Là, simplement, elle refuse gentiment négocier une autre rencontre avec l'ami, comme on l'a vu à la fin. Elle ressent du soulagement et de la fierté. Ce qu'elle se dit à elle-même, c'est « elle a l'air de me comprendre ». Bon, elle a toujours des cognitions sur l'autre parce qu'elle est gentille, donc elle pense à l'autre avant elle. Mais enfin, bon. Après, quand même, elle vient sur elle, je suis contente qu'elle m'écoute. On va trouver une solution. Et puis, si on fait la grille de conceptualisation, pourquoi y est pas? Bon, enfin, en gros, les valeurs restent les mêmes, mais son schéma conditionnel va disparaître. Et il va être, non plus, c'est plus du tout je suis une égoïste, c'est je continue à penser aux autres, mais j'ai le droit d'exister. Voilà. Comment ? Ma BCI, voix critique intérieure. Ouais, j'aurais dû vous le dire. Voilà. En fait, j'ai pas dû mettre la bonne version, donc il manque la biblio, mais je vous l'enverrai. Et puis voilà. Après, je suis ouvert à la discussion. Je sais pas si on a le temps. Après la dame. C'est ça. Ok. Donc merci beaucoup Frédéric. Donc comme pour les autres conférences de ce cycle, on vous propose d'enchaîner. Donc il y a d'abord un expert du champ qui vous présente d'une manière un peu globale ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis ensuite un chercheur d'ici, de l'Université Grenoble-Alpes, donc Christine Canard, qui est chercheur au laboratoire de psychologie et neurocognition et qui est spécialiste notamment de beaucoup de choses, mais en particulier de l'estime de soi et du travail sur l'identité au cours de l'adolescence. Elle a écrit un très bon livre sur l'adolescence d'ailleurs, qui est paru chez Debook, et donc il reprend un peu tout ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des recherches sur l'adolescence et en particulier sur la question identitaire. Et donc elle va illustrer un peu comment, en termes de recherche, comment on peut étudier de plus près cette question de l'estime de soi, l'identité, et puis en faisant des liens avec l'affirmation de soi. Merci Rebecca. Ah oui. merci Rebecca, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc oui, ben je m'entends tout à fait dans ce que je viens d'entendre précédemment. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on s'occupe façon de la construction identitaire, on peut comprendre tous les comportements humains quasiment aussi. Hein. Bon, moi, je suis psychologue clinicienne à la base et depuis avant d'attendez. Il m'a tout cassé. Et donc, avant d'arriver sur Grenoble, bon, je travaillais beaucoup sur le sommeil. Après, je me suis intéressée au développement de l'enfant. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée... Enfin, on m'a demandé presque de m'intéresser aussi à l'adolescent parce que je fais aussi la formation des conseillers principaux d'éducation, donc à l'ESPE.
Donc, dès qu'on s'intéresse à l'adolescent, on comprend qu'on s'intéresse à un adolescent dans sa construction identitaire. Même si la construction identitaire, vous le verrez, c'est tout au long de la vie, évidemment que c'est encore plus prégnant, enfin encore plus marquant à l'adolescence, du fait de tous les chamboulements pubertaires qui existent dans cette période. Donc aujourd'hui, je me suis focalisé sur l'estime de soi, mais vous allez voir que c'est une variable parmi tant d'autres pour faire le lien avec l'affirmation de soi. Parce que parfois, on me fait venir aussi pour le dépassement de soi. Là, aujourd'hui, c'est l'affirmation de soi. Donc moi, la question que je pose à tout le monde chaque fois, c'est quel est ce soi que vous voulez affirmer? Quel est ce soi que vous voulez dépasser? Voilà, donc vous allez voir les modèles identitaires. Donc déjà, du point de vue de la psychologie, on peut très bien commencer par définir l'identité par à la fois l'identité personnelle et l'identité sociale. L'identité personnelle, c'est vraiment celle qui nous singularise tous. C'est-à-dire, c'est l'unicité de chacun, c'est notre histoire particulière, singulière et unique qui fait qu'on est unique. L'identité sociale, c'est celle, au contraire, qui nous permet de vivre ensemble, de nous reconnaître comme un ensemble, un nous. Hein, un nous possible. Et dans les systèmes éducatifs, on sait bien que ça, c'est très difficile de trouver le juste milieu entre les deux, et surtout de faire osciller l'individu comme ça entre différenciation et similitude, suivant le contexte, suivant l'environnement en fait dans lequel on se situe. Les questions principales que l'on se pose, alors surtout à l'adolescence, mais tout au long de la vie aussi, en fonction de certaines périodes transitoires, ça va être: qui suis-je, que suis-je et qu'est-ce que je vaux? Si j'avais du temps, je vous laisserais répondre à ces trois questions là dans votre petite tête. Qui suis-je? Qui suis-je, en fait, ça renvoie effectivement à plusieurs choses. À l'image de soi, d'abord, si on pourrait essayer de se décrire soi-même, c'est le soi pour soi. Très difficile de faire abstraction de l'image sociale de soi, qui est aussi une description de soi, mais à travers les indices que l'on reçoit des autres, justement. Donc c'est le soi à travers le regard social, le regard d'autrui, c'est ce qu'on appelle le miroir social. Et en tant qu'être sociaux, on est bien obligé de ne jamais faire abstraction, finalement, de ce miroir social. Mais il y en a qui vont en donner beaucoup plus d'importance que d'autres. Le que suis-je, c'est plutôt l'exposition à soi. Alors c'est pour ça que c'est très très problématique dans la société d'aujourd'hui. Société de l'image, société des réseaux sociaux et société de l'apparence, d'accord? Donc on peut de moins en moins faire attention effectivement à ce regard de soi, ce regard d'autrui, et du coup on va commencer à s'interroger sur l'exposition de soi. Et ça, moi je trouve que c'est très bénéfique justement en termes de construction identitaire aussi, parce que ça va demander un exercice réflexif, hein, se demander comment on a envie de s'exposer. Donc tel que je suis en réalité, avec mes forces, mes faiblesses, en accord avec mes valeurs, on revient sur les valeurs de tout à l'heure, tel qu'on attend que je sois, même si c'est à l'encontre de mes valeurs, ça, il y en a qui sont justement comme ça, ceux qui n'arrivent pas tellement à s'affirmer. Je ne suis pas celui que je devrais être. En exposant le meilleur de soi, en cachant nos lacunes, nos faiblesses, ou encore en changeant de nom, de sexe, d'âge, ce qui est très facile maintenant, justement, sur le numérique, via le numérique, sur les réseaux sociaux. Hein. C'est bénéfice pour la construction identitaire pour ceux qui ne s'aiment pas, mais c'est aussi le danger, finalement, le risque potentiel de tous ces changements possibles sur Internet. Et je ne m'expose jamais, je reste dans l'ombre, j'ai peur ou je n'en ressens pas le besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tout est fermé, que l'on fuit finalement la rencontre aussi pour se protéger. Le qu'est-ce que je vaux, c'est ce qui renvoie à l'estime de soi. C'est vraiment une évaluation, c'est la composante évaluative du soi, d'accord, du concept de soi. Il ne faut pas l'oublier parce que justement, cette évaluation, elle va dépendre de beaucoup de facteurs et beaucoup de choses. Mais c'est une évaluation, ça veut dire que le jugement peut ne pas être figé, vu que l'évaluation, comme quand on évalue vos copies, hein, les étudiants qui sont dans la salle, ça peut effectivement dépendre de beaucoup de choses. Alors là, voilà, on remonte aussi très très loin en arrière. Hein, l'estime de soi, on voit bien que c'est un concept qui interpelle depuis de nombreuses années, des siècles même. C'est le rapport entre les réussites et les aspirations. Dans la vie quotidienne, plus on aspire à réussir quelque chose, si on y arrive évidemment, ben, ça rehausse notre estime de nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, ben, ça crée des échecs permanents et en tout cas le sentiment d'avoir loupé en permanence ce pourquoi on aspirait. D'où l'importance, alors ça c'est effectivement, ça peut se faire en thérapie, mais pas que, hein, je veux dire, c'est du quotidien aussi et avec les étudiants pareil, d'essayer de faire attention aux objectifs que vous vous donnez, quoi. Un autre théoricien, lui, revenait sur la notion de miroir social de tout à l'heure, en revenant sur ce que vous disiez aussi, sur l'estime de soi qui est un jugement d'autrui depuis la petite enfance quasiment, quoi, hein. Les autres sont des miroirs sociaux dans lesquels l'individu se regarde pour se faire une idée de l'opinion qu'ils ont de lui.
Donc là encore, évidemment, selon cette opinion, quand tous ceux qui nous entourent depuis qu'on est petit ont eu une haute opinion de nous, eh bien, on arrive à conserver une estime de soi assez élevée depuis le début. Ceux qui, depuis le début, nous donnent une fausse opinion de nous, eh bien, dans ces cas-là, ça va au contraire diminuer l'estime de soi. Ça, c'est pour justement rappeler que les écrans d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, en fait, on ne fait pas toujours le poids. Bon, ça, c'est quand je fais mes conférences sur l'adolescent, et ceux qui sont intéressés, j'en fais une samedi après-midi d'ailleurs à Fontaine, à la médiathèque de Fontaine, sur les ados et les écrans et le sommeil. Les réseaux sociaux est un moyen d'être affilié, reconnu et évalué. Il ne faut pas s'étonner s'il y en a qui sont beaucoup, qui sont devenus addicts à ça, parce que justement, ça répond à trois besoins fondamentaux psychologiques, d'être affilié, c'est-à-dire attaché, reconnu et évalué. Et on peut voir combien on a d'amis, on peut voir combien ont vu, lu, téléchargé notre page, nos photos, nos articles, parce que c'est aussi vrai sur les réseaux sociaux professionnels des chercheurs, hein, combien ont laissé des commentaires, mais on peut également voir combien nos amis, nos collègues, bref, on est entré dans ce qu'on appelle au niveau cérébral et neuronal, et que l'on connaît de mieux en mieux avec les études neuroscientifiques, dans le circuit de récompense. Le circuit cérébral de récompense, mais là je suis en train de vous parler du cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une région du cerveau, le noyau accumbens pour ne pas le citer, hein, ou le striatum ventral, pardon. C'est vraiment un réseau de neurones, une région neuronale en fait, dans lesquelles on transmet de la dopamine. La dopamine qui est l'hormone du désir, l'hormone de la récompense, l'hormone de la satisfaction. Et plus on va transmettre de la dopamine, plus le cerveau et l'organisme va savoir que l'on est satisfait par le comportement en question. Donc plus le sentiment de satisfaction est fort, plus l'activation dans le striatum ventral est importante, plus on a envie de recommencer. C'est vrai évidemment pour la cocaïne, c'est vrai pour les jeux vidéo, c'est vrai pour tout ce que vous voulez, pour l'amour, mais c'est vrai aussi pour les réseaux sociaux. Donc, j'avais envie aussi de vous mettre ce petit extrait avant de passer à la recherche. Une autre question qu'il faudrait se poser les uns les autres, que j'ai extrait d'un roman que j'ai adoré qui s'appelle Héritage, de Nicolas Shakespeare, parce que pendant tout ce livre, tout ce roman, il se demande un peu qui il est, l'auteur, là. Et donc, c'est un dialogue entre un élève et son maître d'alors. Et il se rappelle ce petit dialogue. À quel moment décide-t-on de devenir qui on est ? La question n'est pas là, lui répond le maître. Pourquoi ? Ben, ce qu'il faut se demander, c'est comment puis-je être moi ? Oui, mais si on voulait être différent de ce que l'on est, ben c'est qu'on laisse trop de place à quelqu'un qui n'a rien à faire là. Alors, je ne sais pas si vous l'abordez dans les thérapies, dans le groupe et tout ça, cette histoire de ce petit diable peut-être derrière, hein, cette fameuse voix intérieure aussi, mais c'est, en tout cas, à l'adolescence, c'est très vrai. Quoi. Quand on joue des rôles pour être en conformité totale avec autrui, hein, pour ne pas être exclu de son groupe de pairs, on a tendance à laisser trop de place à quelqu'un qui n'a rien à faire là et on se dit qu'on n'est pas nous-mêmes. Je passe, et là c'est le modèle plutôt que j'utilise moi dans mes recherches, donc le modèle scientifique, qui s'appelle le modèle en double cycle. Vous allez voir qu'on retrouve énormément de comportements humains dans ce modèle identitaire. Donc l'identité personnelle, vous voyez tout à l'heure il y avait identité personnelle, identité sociale. L'identité personnelle, elle se forme et s'évalue tout au long de la vie, c'est pour ça que je vous dis que ça interpelle aussi beaucoup les uns les autres dès que je fais des conférences sur l'adolescent, parce que tout le monde s'y retrouve, par des processus d'exploration et d'engagement. Évidemment, exploration et engagement dans des domaines qui comptent pour la construction de soi. Mais si on réfléchit bien, c'est pratiquement tout, hein, d'accord ? Et donc, le modèle, il fonctionne comme ça en double cycle. C'est-à-dire, dans un premier cycle, vous avez un engagement dans une activité, dans une relation, dans quoi que ce soit, en fait. Après, simplement, une exploration de surface. L'exploration, c'est réfléchir un petit peu aux différentes alternatives pour soi. Exemple, dans l'orientation, alors ça se comprend très très facilement, je veux dire, ils viennent en psycho parce qu'ils ont vu Mentaliste. Bon, ça, mais c'est pas une blague. Hein. Donc, exploration de surface, voilà, je me suis pas posé de questions, je me suis même pas demandé si j'étais faite pour aller ailleurs et tout ça, voilà. J'ai vu le film et j'ai envie d'être mentaliste. Donc, je me suis engagée. Normalement, après les cours, après la rencontre avec des professionnels, avec les stages que l'on peut faire dès la première année quand même, que ce soit d'observation, que ce soit des stages validants, peu importe, hein, je vais explorer en profondeur. Je vais me poser des questions par rapport à ça, à tout ce dans quoi je me suis engagée. Et bien, si cette exploration en profondeur correspond à nos valeurs, c'est-à-dire si je continue à adhérer à cet ensemble de valeurs, de buts et de croyances qui correspondent justement à mes études de psychologie, par exemple,
si c'est des études en psychologie, mais aussi ça peut être une relation sentimentale, ça peut être le club de foot, ça peut être la musique, le dessin, enfin toutes ces choses qu'on impose parfois à l'enfant quand il est petit et que l'on va devoir défendre par ses valeurs ou au contraire fuir parce que ça ne correspond pas à nos valeurs. Si j'explore à profondeur et que je considère effectivement que, ça adhère, que j'adhère à cet ensemble de valeurs, et bien dans ces cas-là, je vais m'identifier à cet engagement. C'est-à-dire que je m'approprie en fait l'activité, l'engagement, le comportement dans lequel je me fais, dans lequel je suis, mais surtout l'activité dans laquelle je me suis engagée. Et le plus important, surtout en termes de, je travaille beaucoup sur le décrochage scolaire aussi. Le plus important qui ressort justement dans le décrochage scolaire, c'est bien sûr un manque de motivation, un fort taux d'amotivation, mais aussi une perte d'identification aux engagements. Il y en a beaucoup, même des enseignants, quand je fais des formations d'enseignants, qui vont vous dire « Non mais c'est bon, nous on sait maintenant les engager dans la journée de ça, l'activité dans telle... » Non, s'engager ça suffit pas, parce qu'on peut le faire justement pour ne pas décevoir, pour, ne pas, pour faire plaisir, etc., etc. Donc il faut pouvoir au contraire être sûr de dire « Je m'identifie vraiment à cet engagement parce que ça correspond à mes valeurs, à mes croyances, à mes objectifs, à ce que je cherche à atteindre. » Donc le modèle est vraiment très, très applicable dans de nombreux domaines qui comptent pour soi. Et l'exploration ruminative, c'est une exploration non adaptative, en fait, qu'on étudie depuis 2008. Et l'exploration ruminative, c'est celle, justement, ben, pour envoyer peut-être aux perfectionnistes aussi, mais soit on est perfectionniste, soit on est dans une construction complètement diffuse. Et dans ces cas-là, ben, qu'est-ce qui se passe ? On rumine, pour ça que ça s'appelle exploration ruminative. On rumine, on cogite en permanence, en fait, sur ce qu'on est en train de faire, sur s'engager. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis pas en train de renoncer à quelque chose ? Est-ce que j'ai raison de faire ça ? Et pourquoi ? Voilà. Donc c'est la rumination, c'est l'exploration ruminative. Quand je vous dis que c'est tout au long de la vie, vous avez effectivement les différentes composantes. Si vous avez eu le temps de réfléchir aux questions qui suis-je là tout à l'heure, quand il y a eu la diapositive, ça serait bien de vous demander comment vous vous êtes décrit. Hein, la réponse qui suis-je. Parce que évidemment que ça va dépendre du contexte, c'est sûr, hein, quand on est en recrutement, on ne va peut-être pas dire tout ça, mais quand même c'est important de se demander qui on est dans toutes ces composantes identitaires. Et en fonction de ces composantes identitaires, donc scolaires, professionnelles, vous voyez, il y en a qui vont se mettre en avant par leur identité professionnelle, ils vont se présenter tout de suite par ça, parce que c'est important pour eux d'être reconnus comme psychologue, psychiatre, magistrat, tout ce que vous voulez, tous les gens qui sont autour de vous. Et cela, il faut faire attention, parce que le jour où ils sont à la retraite ou au chômage, justement, eh bien, ils perdent complètement leur identité. Et c'est pour ça que le « qui suis-je, que suis-je, qu'est-ce que je vaux », ben, on peut en permanence en fait, se les demander. Identité politique, religieuse, vous voyez, bon, il y a différents domaines, je n'ai pas le temps de tous les passer. Mais à partir de notre modèle, là, on a, nous, dans nos recherches, du coup, pu extraire des profils d'individus. Alors moi, je m'intéresse au lycée, on verra les données après, ou à l'étudiant, hein, au jeune étudiant. Et de ces profils, en fait, c'est des analyses statistiques, hein, on arrive à donner un profil d'identité qu'on appelle achevé, réalisé, même si ce n'est pas achevé, que ça peut être remis en question tout au long de la vie. Dans l'instant présent où on interroge les individus, effectivement, dans ces cas-là, on peut parler d'achevé. Pourquoi ? Parce que vous avez en face de vous un participant, un sujet, en fait, qui s'est engagé dans une activité à bon escient. Après avoir exploré, justement. Donc c'est engagement après exploration. Identité diffuse, là, il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas d'engagement. Et même dans l'identité diffuse, on arrive aussi à extraire deux profils différents, ceux qui sont complètement insouciants. C'est-à-dire, oui, je ne m'engage pas, oui, je n'explore rien, je ne me pose pas de questions, mais je m'en fous, je suis bien comme ça. D'accord ? Cela, c'est les pires au niveau thérapie, d'ailleurs. Parce que vu qu'on n'a pas envie de changer, vu qu'on s'en fout, du coup, effectivement, ils sont bien dans cette catégorie-là. Mais il y en a, au contraire, qui sont diffus d'un point de vue identitaire et qui sont très, très anxieux. Qui sont vraiment pas bien, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas normal de pas s'engager, que c'est pas normal de toujours réfléchir, de ruminer en permanence, tout ça, c'est très... Quand on caractérise les profils identitaires avec les statuts, là, on voit bien qu'il y a les statuts avec les profils, évidemment, c'est l'exploration ruminative qui est très importante. Identité moratoire, c'est être dans une période d'exploration, en fait, sans s'engager. Ça devrait être... Erikson, qui est le pionnier hein, du développement psychosocial, en fait, de la construction identitaire, vous dira que ce serait le lot, normalement, de tous les adolescents. On est en train de leur demander une orientation en troisième et en terminale, alors que franchement, on ne leur laisse pas vraiment beaucoup d'espace de parole, ni de réflexion, justement, pour être dans une période moratoire. Or, vraiment, la période moratoire, ça serait important avant de s'engager dans quelque chose. On sait bien que d'un point de vue politique, par exemple aussi, quand les jeunes arrivent à 18 ans et qu'ils ont le droit de voter pour revenir sur des droits,
peut pas dire que les professions de foi aident à choisir ses valeurs et ce machin. Hein. Elles sont quasiment toutes pareilles, alors qu'on sait bien que tous les partis sont différents, malgré tout. Et je trouve que dans la société d'aujourd'hui, où on insiste sur les personnages au lieu d'insister sur les valeurs, justement, de chaque parti, ça permettrait peut-être aux jeunes de se décider. Mais au début, ils vont peut-être choisir de façon foreclose, parce que foreclose, c'est je m'engage sans exploration, de façon foreclose, ben, le parti politique, les votes de ses parents, par exemple. Dans d'autres composantes, ben, vous avez effectivement d'autres façons effectivement, de se soumettre aux desiderata, ben, des copains, de la famille. Alors, c'est pas le cas pour la psycho. En général, les parents, ils aiment pas ça. Mais par contre, médecine, Sciences Po, machin, c'est bon, on a le desiderata. On y va parce que mes parents sont médecins, par exemple. Voyez donc. J'en viens au lien entre mes propres résultats de la recherche, qui dure depuis 3-4 ans, là. Là, c'est des résultats, je me suis focalisée justement sur les résultats des lycéens. Les objectifs de l'étude, c'était d'explorer les relations entre les processus identitaires, ces fameux, le modèle de tout à l'heure, là, processus d'exploration, processus d'engagement, donc les trois, hein, de surface, profondeur et puis rumination, et engagement et identification aux engagements, des indices d'adaptation psychologique et sociale, alors voilà, la fameuse estime de soi, mais aussi les troubles anxio-dépressifs, parce qu'à force d'écouter mes collègues aussi des laboratoires adjacents en SHS, j'ai entendu un jour ma collègue Céline Bayens me parler des ruminations mentales, voilà, des modes de pensée, effectivement, rumination mentale. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on essaie de voir si la rumination dans le modèle identitaire correspond effectivement aux ruminations mentales du point de vue des modes de pensée de chacun. Bon, comme je suis en psychologie cognitive et que je suis dans un laboratoire de psychologie cognitive et neurosciences, je m'intéresse effectivement aussi à tout ce qui est motivation dans les études, notamment aussi pour travailler avec les enseignants et puis les conseillers principaux d'éducation. Donc, dans un deuxième temps, bien sûr, à long terme, on va essayer de trouver des interventions thérapeutiques courtes qui permettraient justement de prendre en charge les étudiants. Donc là, je vais vous donner simplement les résultats des élèves de seconde. Alors, on est allé voir de façon représentative l'enseignement général, professionnel et technologique. Mais là, vous aurez tous les groupes en même temps parce qu'on est en train de peaufiner les données. Donc d'abord l'échelle d'estime de soi. L'estime de soi, elle peut s'évaluer soit par une échelle, donc au départ c'était plutôt les échelles globales, et Rosenberg continue à être énormément étudiée dans la littérature parce qu'elle est courte. Moi, chez les jeunes, je préfère utiliser l'échelle en fait d'évaluation multidimensionnelle qui permet de voir, en fait, je vais vous donner le diaporama, hein, messieurs, dames, là, parce que, aussi. Multidimensionnelle parce que j'aime bien cette notion de ben, soit physique, soit émotionnel, soit social, soit futur, soit scolaire. Justement, que l'on retrouve beaucoup chez l'adolescent, évidemment, chez l'élève. Et donc là, je vous ai donné des exemples de résultats, enfin, d'items, pardon, du questionnaire. Alors, ça date de 1994, celui que j'ai utilisé, mais là, ils ont remis à jour leur questionnaire. C'est l'équipe de Toulouse, en fait, de l'Université de Toulouse. Donc, quand je traite mes données, je me sers d'une méthode donc statistique V-test. Vous regardez là, la ligne 0, c'est effectivement la moyenne de l'échantillon, d'accord ? Les moyennes obtenues pour chaque variable, pour l'échantillon total. Après, vous avez au-dessus de 0 des données qui sont supérieures et qui vont justement caractériser les groupes, chaque groupe. Donc on a fait une analyse en cluster qui permet, sur les 1254 étudiants élèves, de comprendre qu'il y a trois groupes de profils d'élèves. Un groupe, 44% quand même, qui a un profil effectivement avec une estime de soi forte, vous voyez, donc c'est au-dessus de la moyenne, donc c'est caractérisé par une surreprésentation de ces variables-là, on va dire. Le groupe est caractérisé par une surreprésentation de ces variables-là et une sous-représentation de l'exploration en surface, de l'exploration en profondeur, de l'exploration ruminative. C'est-à-dire que là, il y a le petit bleu aussi là, c'est des élèves qui arrivent à s'identifier à leurs engagements. D'accord ? Pardon. Le groupe 2, donc c'est car on a mis que ce qui était significatif hein, sur la figure pour pas que ce soit illisible. Le groupe 2, il y a encore 42%, donc eux, ils sont plutôt modérés finalement. Ils sont en attente, ils se distinguent pas trop de la moyenne, même si on a encore une sous-représentation ici, une sur-représentation. Vous voyez, ça dépasse pas 5 et moins 5, donc c'est pas aussi fort et aussi élevé que les autres groupes. Et un troisième groupe, 13,5% quand même, justement, qui se caractérise par une sous-représentation d'une estime de soi forte, ou enfin oui, c'est on peut dire par une sous-représentation de score élevé, mais donc une sur-représentation de score faible finalement, voilà. En tout cas, qui ont des scores faibles dans les soins émotionnels, physiques, scolaires, et qui ont une sur-représentation, alors
modérer, pas surreprésentation justement pour l'identification des engagements, mais une surreprésentation dans la fameuse exploration ruminative. Et donc on arrive, grâce à des modèles identitaires, à des modèles scientifiques, à essayer de décrire des profils des élèves que l'on pourrait repérer justement après les 13,5%. Ce qui serait bien, c'est de les envoyer après à Frédéric Fanger pour les fameuses thérapies courtes ou les groupes de parole. La deuxième diapositive, justement pour envoyer à la collaboration avec ma colline Céline Bayens, je vous ai fait la même figure, mais avec les variables en fait des troubles anxio-dépressifs. Anxiété de séparation, troubles paniques, dépression majeure, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, la phobie sociale, l'anxiété généralisée. Bon ben on retrouve pareil, on retrouve deux groupes complètement opposés. Le premier qui a un soi, une estime de soi élevée, eh bien n'a pas... n'a pas de troubles anxio-dépressifs, vraiment sous-représentation très très forte des troubles anxio-dépressifs. Le groupe opposé, le groupe 3 opposé, c'est l'inverse. Celui qui a une estime de soi faible va avoir des scores très élevés effectivement aux troubles anxio-dépressifs. Donc voilà, ça prouve scientifiquement quand même les profils des individus que l'on peut avoir en face de nous. Je vous remercie de votre attention. Je suis allée... Thank you.